Ok les mecs, j'ai une petite blague. C'est un mec, il a plus de lave-vaisselle, il veut s'acheter un nouveau lave-vaisselle. Sur quel site va-t-il? Là je vous laisse réfléchir, voilà, il a un lave-vaisselle, il a cassé, il veut aller en racheter un nouveau. Il va sur internet, sur quel site va-t-il? Roulement de tambour. Roulement de tambour. Tinder. Ah là, il y en a là, ils vont comprendre. Il y en a, ils vont pas comprendre. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo à bord du moteur allemand. Aujourd'hui les mecs, nouvelle vidéo avec la 50. La 50 folie là, la folle 50 frérot. Ok, le temps de chauffe a été respecté là, là pour froisser le piston. Rendez-vous compte qu'il y en a quand même qui ont réussi à trouver l'ânerie de dire que je vous mentais comme quoi mon carbu n'était plus d'origine parce qu'elle marchait super bien. Mais il y en a, ils arrivent à dire que moi je vous manque, mon carbu n'est pas d'origine parce qu'elle marche bien. Et non frérot, c'est juste parce que je suis professionnel de la mécanique. Bien sûr que oui, on s'arrête au stop. C'est pour la vidéo. Voilà, gamme. Hop, non, c'est juste parce qu'ils ont foutu une caméra juste au-dessus, frérot. Et que, vas-y, on va respecter, tu vois. Je lis les commentaires, je réponds pas forcément. Je devrais vous mettre des petits cœurs. Comme, genre, s'il y a un cœur, c'est que j'ai lu votre commentaire. Du coup, je pense le faire dans les prochaines vidéos et dans celle-ci. Du coup, si vous mettez un commentaire et qu'il y a un cœur, ça veut dire que je l'ai vu. S'il n'y a pas de cœur, ça veut dire que je l'ai pas vu, mais globalement, je regarde toujours. Oh ouais, ça me laisse passer et tout, quelle beauté. Oh là 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 là, le carnage ici. Oh là 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 là. On va baraude. On va baraude les mecs. Alors ne vous fiez pas autant, carrément cash, hein, je vous le dis. Commencez pas à dire ouais, dans le nord en fait il fait super beau, ouais, que dalle. Eh, le soleil, rien du tout, il fait 7 degrés frérot. Ah, notre ami Lavoiserie qui est tombé en panne avec son bus. Ah, je sais pas si c'était une bonne idée de sortir, hein. Il y a un de ces vents. Oh là 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 là. Les mecs, si jamais j'ai un nouveau micro, du coup dites-moi dans les commentaires si c'est mieux ou pas. Pourquoi il fait des appels de phare? Vous avez condé ou quoi? Pourquoi il nous fait des appels de phare lui? Vous l'avez vu ou quoi? Il m'a fait deux appels de phare. Vas-y, tu sais quoi, on va ralentir, c'est pas, ils sont là-bas au bout de la place, ils m'attendent. Ils ont placé un radar fixe. On va voir hein. Comme il m'a dit. Bon les mecs, du coup, bah n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu si vous voulez. Voilà les vidéos pendant ce confinement. Je pense 3 par semaine, ça peut être carré. Du coup, si vous en voulez 3, bah n'hésitez pas. Hein. Mettez un petit like, si vas-y, c'est 3000 pouces bleus, je vous ressors une vidéo. Et si vous voulez que je sorte le 85, bah vous me le dites en commentaire. Et moi j'exécute vos désirs, tu vois. Ah, à tous les coups, vas-y. Oh, c'est un fan. Oh, tu vois, c'est la vie populaire, ça. Ouais, je rigole. Ouais, je suis personne, les mecs. Je suis là, je fais mes petites vidéos dans mon coin, je fais mon petit truc. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. N'hésitez pas aussi à venir me follow sur Instagram, je le répète à toutes les vidéos. Je vais vous mettre un sticker là, Insta Léonade. Ah, une fois qu'elle est bien chaude, elle a la santé là, la moto. Hein. Ah, elle a la santé de fou. Hein. Regarde-moi ces routes, frérot. Oh là là. Ah, c'est chiant qu'il y ait un camion, hein. Ah, ça gâche tout le paysage, là. Oh, les mecs, je vous ai demandé dans une vidéo, ça fait quoi si je coupe le contact, par exemple, maintenant, et tout le monde m'a dit, bah rien, le moteur s'arrête, du coup, si t'embrayes, ça fait rien. Donc, vrai, je pense qu'on va essayer, hein. Bon, pas à 90, bande de fous, hein. Mais, si vous voulez, on peut essayer, hein. On se met sur un parking, on se met à 30 et on coupe le moteur. Voir ce que ça fait, on verra si on explose. Eh, y a quand même plein du monde hein, pour un jour de boulot. Moi j'avoue, c'est le confinement en fait. Tu vois, c'est chiant là, tu peux pas trop rouler en 85, t'es là, t'en as, ils promènent leurs chiens, ils sont là avec leurs enfants.
Ah mais c'est chiant, tu vois. Tu as dans des routes que tu connais pas, du coup tu connais pas les stops, les priorités c'est pareil. Donc tu peux pas rouler à ta guise. Là en vrai je trouve que ça va, là j'ai un bon niveau de roulage. À vous de me dire dans les commentaires, mais je trouve que je roule bien. Hein. Comparé à mes débuts, y a pas à dire. Hein. Au début, quand je revois les premières vidéos, c'était carnage. Hein. Mais au moins, ceux qui veulent passer le BSR, tu vois, ils ont eu de A à Z la formation la plus complète. Enfin, surtout des indications. Il y en a beaucoup qui me remerciaient dans les commentaires. Ah, c'est la gendarmerie ici. Ah, donc c'était peut-être la civile, là, en fait. Quand je vous dis qu'on connaît pas et qu'on peut se faire avoir là où on roule. Ouais, on va aller faire des runs avec la 50. Deux fois même. Bon allez, c'est quoi de ces routes là? Amène-moi sur les routes de campagne que je te fasse écouter le V12. C'est pas où on va là. Wesh. Tu fais quoi toi? Il est autant bâtard. Oh lui je l'ai pas vu. Eh je l'ai vu au dernier moment. Et il nous a fait une sortie de route. J'ai même pas vu s'il y avait son clignotant. Oui je bite à moi. Oh le bâtard. Attends. Eh hey, c'est bien, mais wesh, mais les gens. Eh hey, il a failli me faire de la compote l'autre. Tu vois c'est bien ce genre de petite route hein. Mais on passe pas à deux. Voilà si mais les routes d'avant on passe pas à deux. Ils doivent pas être trop speed hein. C'est ce virage là, une fois j'ai fait un tout droit. Analysez bien le virage, analysez comment il tourne. Et bah une fois j'ai fait un tout droit, je me suis retrouvé, j'ai freiné juste avant de taper le mur. J'arrive, pleine balle, je connaissais pas. Un grand tournant comme ça, oh là 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 là. Horrible. Je crois que ce port, je l'ai croisé au même endroit quand j'ai commencé la vidéo. C'est pas des vidéos où il y a un thème précis, tu vois. Mais genre c'est, je prends la GoPro, je prends la moto, je vais rouler tu vois et on voit ce qui se passe et j'en fais une compile et je vous balance la vidéo. J'ai jamais pensé à faire ça avant, du coup est-ce que vous ça vous plaît ce genre de truc? Oh si jamais on est passé aux 70 000. Du coup merci à tous. En vrai c'est énorme 70 000 là, ça fait plaisir. Putain. C'était quoi ça? T'es perdu, il faut t'indiquer ton chemin ou c'est comment là? Ou c'est la police? Un petit dodan pour t'envoler, bah tu connais hein, quand même. Hein. Ah tu vois ce genre de route là, t'es là, tu peux te tartiner, tu vois à l'horizon, tu vois ce qui se passe. Et dans l'angle, tout dans l'angle. Colle-toi pas plus à gauche. Ouah, c'est quoi de ce vent? Oh, une petite Mustang. Une petite Mustanguette. Oh, allez, bordel. Et là, t'as la municipale en rond-point. Non, mais je me suis foulé le poignet hier, vous comprenez que... Eh vrai, ceux qui roulent pas avec des cagoules, je vous jure, hein, conseil, hein, achetez-vous des cagoules.
ça coûte 3 balles. Et rouler avec des cagoules, c'est carrément mieux. Vous avez pas froid, pas d'air qui passe dans le cou, c'est carrément bien. Une petite TT. En vrai, je vais devenir youtubeur automobile. Hein. Je vais vous présenter toutes les voitures qui passent. Et mon rétro, je l'ai réglé, je crois que j'étais sous 2 grammes. Hein. Je crois que j'ai fermé les yeux pour régler le rétro. Eh, c'est mes gants, c'est de la merde ou c'est qu'il fait vraiment froid là? Putain, j'ai plus de doigts! Ah mince! Oh, je te jure, je vais m'énerver. On avance là, putain là. Oh, allez, on va s'endormir là. Arrête, frère, tu trolls. C'est quoi de se vendre p***, wesh? Libre, on n'a même pas le moteur. Dis-toi que tu fais ça sur un gros cube. Ouais, allez, je pense que une chance sur deux, tu fais bavette. Mais regarde là, t'es en 50, tu fais ça, il se passe rien. Ça me décoiffe même pas un petit cheveu. Oh, le clignotant, la putain de ta race, toi. Non, le clignotant, fils de pute. Franchement, il n'y a rien eu à voir. Fait me faire faucher 4 fois, il fait moins 12, je me suis gelé les boules. Tout ça pour vous faire une putain de vidéo. Du coup, si vous mettez pas un putain de like, ça va mal se passer, c'est bordel. Vous êtes prêts à écouter le bruit du V12 là? Regardez. La plaque, elle est noire carrément. Carrément, il y a tellement d'huile qui sort du pot que la plaque, elle est noire. C'est trop puissant, je suis désolé. Putain, ça, tu t'envoles, mon copain, tu te fais peur. Embrayage hydraulique. Voilà, poignée origine, poignée 11 ans. Vous voulez quand même faire un petit chiffre pour savoir qui gagne l'abonnement à la chaîne de qui? Ah, vous êtes chaud, vous connaissez le concept, je gagne, vous vous abonnez, vous me gagnez, vous me dites dans les commentaires et moi je passe vous follow. Par contre, ceux qui n'ont pas les comptes en public, si vous voyez pas Léon être abonné à votre chaîne, c'est normal, c'est parce que vous n'avez pas le compte en public. Voilà, du coup vous êtes prêts les mecs? 1, 2, 3, chiffre me. Ah, je l'ai fait en 4. Aujourd'hui, j'étais chaud, je l'ai fait en 4. Oh là 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 là, c'est long. C'est long. Non mais c'est pour décoller. C'est une attraction. Ouais. Tu fais quoi toi? Wesh. C'est une blague. Là tu viens sur ma voie et il me regarde dans les yeux. Allez frère. Te fous pas de ma gueule quand même. Mon copain, tu fais quoi? Non, ni non, ni non, non, ni non, ni non, ni non, non. Y'a un stop. C'est bien, il s'arrête. Par contre, l'autre, il est arrivé tellement fort derrière lui. Je sais pas si vous l'avez vu. Monteur, fais-moi un petit ralenti sur le mec qui arrive et qui a failli se taper la voiture de derrière. Ah ouais, merde, j'ai pas de monteur. Ok, les mecs, j'ai une petite blague. C'est un mec, il a plus de lave-vaisselle et il veut s'acheter un nouveau lave-vaisselle. Sur quel site va-t-il? Là, je vous laisse réfléchir. Voilà, il a un lave-vaisselle, il a cassé, il veut aller en racheter un nouveau. Il va sur internet, sur quel site va-t-il? Roulement de tambour. Tinder. Ah là, il y en a là, ils vont comprendre. Il y en a, ils vont pas comprendre. Ouais. Je t'ai pris une trajectoire tout droit sortie dans la nuit. Bref, elle était drôle ma blague, hein. Je vois pas pourquoi, il y en a, ils ont pas rigolé, hein. Je suis sur un aise, ils ont toujours pas compris. Hein. Bref, les mecs, j'espère que vous avez quand même
apprécié cette petite vidéo. Vas-y, c'est des petits daily observations, on va appeler ça comme ça. On va avoir de l'originalité. Voilà, bref, si vous avez kiffé, bah, n'hésitez pas. Vous mettez le petit pouce bleu. Vous me le dites dans les commentaires. Vous me faites savoir ça. Et vous venez sur Instagram aussi, tout de même. Et voilà, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Et 3000 pouces bleus dans 3 jours, je vous ressors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez que ça soit le 85, et bah vous me le dites. Vous me le dites, ouais, allez, on recommence les présentations d'abonnés, c'était cool. Parce que vrai, c'était super cool. J'en ai en stock, sauf que je peux pas les poster pour l'instant et je vous expliquerai pourquoi après. Et voilà. Sur ce, les mecs, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine, les mecs.